la forêt amazonienne. Il y a de grandes chances que vous en ayez déjà entendu parler. Cette forêt est tout simplement la plus grande forêt tropicale du monde. Elle est définie comme une forêt tropicale car simplement, elle est située entre les tropiques, dans une région tropicale. Elle se trouve en Amérique du Sud et mesure 5,5 millions de kilomètres carrés. La forêt amazonienne, c'est une grande, gigantesque forêt avec plein d'arbres différents, avec plein d'animaux différents à l'intérieur. Si l'Amazonie, on la regarde d'en haut, on voit comme un brancolis. On voit à peu près comme ça, c'est-à-dire plein de coupes d'arbres en l'air. Mais si on rentre à l'intérieur du brancolis, ben en fait, il y a plein de choses, il y a plein de vie, il y a des troncs d'arbres, justement, il y a petites bêtes, des grandes bêtes, voilà. Et on a l'impression, quand on regarde un brancolis, que ah, c'est très simple. Mais en fait, non. Quand on rentre à l'intérieur du brancolis, de la forêt amazonienne, bah, à l'intérieur, il y a plein de choses, de richesses et de vie à l'intérieur. Difficile de se rendre compte de ce que cela représente. Alors prenons une carte pour y voir un peu plus clair. Nous sommes là, en France, à l'extrémité ouest de l'Europe. La forêt amazonienne, quant à elle, est située de l'autre côté de l'océan Atlantique, au sud du continent américain, à 9000 km de la France. Sa taille correspond environ à 9 fois la taille de la France, mais également à environ 75 700 terrains de foot. Elle est répartie sur 9 pays. Le Brésil, où l'on retrouve 60% de celle-ci, mais également la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, la Guyana, le Suriname et la France. Oui, vous avez bien entendu, la France. Ce petit territoire, ici, en rouge, est effectivement un département français qui s'appelle la Guyane française. En plein cœur de la forêt, on retrouve un des plus grands fleuves du monde, l'Amazone, et ses 6500 km. Mais revenons-en à notre forêt. Il faut savoir que la forêt amazonienne, aussi grande soit-elle, est menacée par la déforestation. Mais qu'est-ce que la déforestation? Eh bien, la déforestation, c'est tout simplement l'action de couper des arbres au sein d'une forêt. Or, les arbres qui la composent sont d'une importance cruciale, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, les arbres ont la capacité de transformer le dioxyde de carbone en dioxygène, un gaz indispensable à notre vie par un phénomène que l'on appelle la photosynthèse. Par la même occasion, les arbres captent et conservent le carbone, permettant de limiter le réchauffement de notre planète. Ce même carbone est alors libéré dans l'atmosphère lors de la coupe des arbres et participe au changement du climat. Ensuite, les arbres sont d'une importance cruciale dans ce que l'on appelle le cycle de l'eau. En effet, les forêts rejetant de la vapeur d'eau, elles favorisent les pluies et luttent, par conséquent, contre les périodes de sécheresse. Quand il y a moins d'arbres, il y a donc moins de pluie et certaines zones risquent de se désertifier. Enfin, dans la forêt, un nombre incroyable d'animaux, d'insectes et de plantes vivent. Même certains humains y habitent. C'est ce que l'on appelle la biodiversité ou diversité biologique. Couper les arbres revient donc à détruire leur habitat naturel. Dans l'Amazonie, il y a des arbres qui sont gigantesques, des arbres où il faut être plusieurs hommes et femmes, peut-être des fois 5, 10, en se tenant la main comme ça pour faire le tour de ces arbres. Et ces arbres, en fait, ils sont importants parce que c'est la maison de plein d'autres animaux, mais aussi de plein d'autres petites plantes.
Par exemple, il y a des plantes qu'on appelle des plantes épiphytes. Donc, c'est des plantes qui s'accrochent à l'arbre. Et à l'intérieur de ces plantes, il y a l'eau qui va tomber. Et à l'intérieur de cette plante et grâce à cette eau, il y a une grenouille qui va se mettre. Parce que la grenouille, bah, elle sait qu'elle est en hauteur. Donc, elle peut pondre ses œufs et que personne ne va venir manger ses œufs. Il y a des milliers d'autres plantes ou animaux qui peuvent vivre dans l'intérieur de cet arbre. Alors, quand on le coupe, eh ben, on coupe aussi toutes les maisons qu'il y a à l'intérieur de cet arbre-là. Dans la nature, rien n'est inutile. Par exemple, quand les fourmis font leur fourmilière, elles ouvrent des trous dans la terre et aident la terre à s'oxygéner. Les racines des arbres et des plantes ont donc plus d'oxygène grâce aux fourmis. Ces fourmis sont également la nourriture pour certains oiseaux. Cet arbre ici donne un fruit très nutritif qui se vend ici dans la rue. Mais ce fruit est aussi le repas de l'agnurès, un gros rat qui vit dans le secteur. S'il n'y a pas ces fruits, ils vont mourir de faim. Tout est lié. Si on coupe un arbre, surtout s'il fait des fruits, on met en danger non seulement l'arbre, mais aussi tous ceux qui en dépendent pour vivre. L'écosystème est comme une grande famille. Quand on coupe tous les arbres, ben là par contre on coupe toutes les maisons. On coupe toutes les maisons et comme il n'y a pas de maison à côté, c'est comme si tout le village disparaissait et donc il n'y a pas d'autres arbres qui peuvent se réinstaller. Mais alors, si les arbres sont si importants, pourquoi les coupe-t-on? Eh bien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, couper un arbre permet d'utiliser le bois qui le compose. Ce bois peut être utilisé pour se chauffer, pour construire des maisons, mais également des meubles et même des feuilles de papier. Certaines personnes vont également raser de grands espaces forestiers afin de les transformer en champs pour y faire de l'agriculture ou afin d'y implanter des industries et autres constructions. D'autres raisons peuvent être mises en avant. Pour certaines personnes, la déforestation est une conséquence d'un manque d'intérêt de l'homme pour la nature. Dans la coutume indigène, s'ils coupent un arbre, ils vont d'abord demander la permission. Ils ont des rites, presque comme des prières envers l'arbre. Et demandent, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre bois pour construire ma maison, je vais devoir vous couper, mais vous allez faire partie de ma famille. Il y a du respect, parce que les indigènes savent que leur vie dépend du bois, des fruits, des poissons, etc. Quand ils vont chasser, c'est pareil, que ce soit des singes, des tapirs ou autres. Ils font une réunion avec tout le village, et les sages du village calculent et disent par exemple, nous avons vu beaucoup de fois cette espèce de singe récemment, nous pouvons donc en chasser 5 ou 6. Par contre, nous n'avons pas vu beaucoup de tapirs, donc n'en chassons qu'un seul. Ils connaissent leur environnement et savent ce qu'ils peuvent faire ou ne doivent pas faire pour ne pas mettre la forêt en danger. Malheureusement, cette relation intime se perd. Certains groupes de personnes viennent de la ville et remontent l'Amazone avec armes à feu et chassent tout ce qu'ils peuvent pour ensuite les vendre sur le marché d'Iquitos, la ville d'à côté. Si on casse la relation avec notre environnement, on peut créer des dommages irréversibles. De la même manière que si, dans n'importe quel endroit en France, les gens ne se respectent pas entre voisins, on crée une situation peu agréable et parfois même dangereuse. Cette déforestation peut avoir des conséquences dramatiques sur notre planète lorsqu'elle est pratiquée de manière importante. Et c'est malheureusement le cas en Amazonie. Il est donc primordial de lutter contre celle-ci. À Tamshiaku, un village péruvien au cœur de la forêt amazonienne,
une entreprise de production de cacao s'est installée. Afin de faire pousser ses cacaotiers, l'entreprise a coupé une grande surface de forêt. Ce sont ces arbres qui poussent ici normalement. Quand l'entreprise est arrivée, ils les ont coupés. Maintenant, tout ce terrain est désert. On ne peut plus rien y planter. Regardez. Il n'y a plus rien. Plus rien ne pousse, même pas les cacaotiers. Cette entreprise a complètement déforesté cette belle forêt. Ils se sont appropriés les terres et ont laissé les paysans sans rien. Maintenant, c'est une terre non fertile qui n'est plus adaptée à l'utilisation qu'en ont les agriculteurs. C'est-à-dire à des plantations, à des cultures. Durant tout le chemin que nous avons pris pour arriver ici, à travers la forêt, nous avons entendu beaucoup de bruits d'animaux, d'insectes. Et quand on arrive ici, c'est pratiquement le silence complet. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de plantes, plus d'arbres, où les oiseaux s'installent. Et écoutez maintenant. C'est le silence complet. Plus rien ne pousse ici. Les arbres avant faisaient de l'ombre. Mais maintenant, quand le soleil cogne, on ne peut presque plus venir ici. Maintenant, la terre est sèche, très très sèche. Si la forêt amazonienne peut nous sembler géographiquement très éloignée, les conséquences de sa disparition nous touchent malgré tout également. De plus, nous sommes aussi responsables de la destruction de celle-ci à cause du phénomène que l'on appelle la déforestation importée. Et oui, peut-être avez-vous un jardin dans lequel il y a des meubles en bois ? Peut-être mangez-vous parfois certains fruits ou légumes comme l'ananas ? Tous ces produits que l'on utilise peuvent être issus de cette même forêt amazonienne à l'autre bout du monde. Mais alors, si nous sommes également fautifs, il y a sûrement quelque chose que nous pouvons faire pour agir. Alors que pouvons-nous faire depuis chez nous pour lutter contre la déforestation ? Eh bien, beaucoup de choses. Pour commencer, il est important de ne pas gaspiller le papier. On le sait, ce papier est directement issu du bois des arbres. Vous pouvez donc essayer d'utiliser du papier brouillon, du papier recyclé, ou, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, essayez d'utiliser l'intégralité de la surface de la feuille, en la retournant par exemple. Ensuite, vous pouvez essayer de manger des produits locaux et si possible de saison. L'ananas et la mangue, comme beaucoup d'autres fruits et légumes, sont bien souvent produits en Amazonie et nécessitent de grands espaces. Leur production est donc directement liée à la déforestation. Enfin, vous pouvez aussi essayer de faire attention à la provenance du bois des meubles de votre maison. Bien souvent, les meubles de jardin sont directement fabriqués à partir de bois tropicaux comme ceux de la forêt amazonienne. Alors, n'hésitez pas à mener l'enquête en en parlant à vos parents et à vos amis. Il faut se rendre à l'évidence. Nous sommes tous dans le même bateau, la planète Terre. Donc il faut développer une conscience environnementale suffisante pour les Français, les Européens, les Nord-Américains, les Sud-Américains, tout le monde. Nous sommes tous sur cette même planète et nous devons la conserver car nous n'en avons pas d'autre. Nous sommes tous responsables de la déforestation. Les jeunes, les moins jeunes, les enfants, nous pouvons tous agir pour lutter contre la déforestation massive. Ce sont de petites actions. Si on pense à l'échelle d'un enfant, l'impact ne sera effectivement pas énorme.
Mais on parle non pas d'un, mais de millions d'enfants en France, de millions d'enfants en Europe, de millions d'enfants en Chine, en Amérique du Sud. Si chacun de ces enfants contribue en faveur de la forêt au travers de ses actions, le résultat sera évidemment d'une toute autre importance. Si le constat peut être quelque peu effrayant, il est malgré tout plus qu'important de continuer de croire qu'un changement est possible. La forêt amazonienne a besoin de nous tous. Notre planète a besoin de nous tous. Il est donc primordial de garder l'espoir que la partie n'est pas terminée, que notre environnement n'est pas condamné, bref, qu'un autre monde est possible.